Allez, Dimon, joue, mon pote. Pourquoi t'es si lent? Ça m'intéresse pas de jouer au basket à deux. C'est ennuyeux. Appelons Stas et jouons tous ensemble, plutôt. D'accord, je suis d'accord. Allons Allez, chercher. Allez, vas-y. Stas, Stas, où es-tu? Mais il est où? Je sais pas, mais il est probablement à l'étage. Il doit être dans la salle de jeu, allons voir. Stas n'est pas ici. Ouais, il peut être dans les vestiaires en train de changer, allons voir. Allez, vas-y. Stas? Oh! Qu'est-il arrivé à Stas? Oh, c'est incroyable! Quelqu'un l'a tué! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Dimon? Il faut appeler tout le monde! Maria, Raphaël, Chris, venez ici vite! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mon mari, qu'est-ce qu'il s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Oh les gars, quelqu'un d'entre vous m'a tué! Et maintenant, on va jouer à Among Us! Stas, dis-moi, qui t'a tué? Il va m'entendre! Je peux pas, je suis un fantôme, mais vous devez trouver les indices et découvrir qui m'a tué. Et ouais, qui est donc? D'accord, combien de temps avons-nous pour trouver l'assassin? Vous avez 30 minutes, et si vous le trouvez pas, eh ben c'est lui qui gagne. Alors sachez bien, je ne fais confiance à aucun d'entre vous et je vais découvrir qui m'a tué, mon mari préféré. Quand vous aurez trouvé l'épreuve, vous pourrez appuyer sur le bouton qui se trouve sur la table pour organiser une réunion. Top chrono, c'est parti! Allons-y les gars, réunissons-nous, allez, ouais. Allez ah. Allez les gars, allons dans la chambre, nous commençons à chercher des indices à partir d'ici. Et fermez la porte. Les gars, dites-moi, qui selon vous est l'assassin de Stas? Écoutez-moi, Stas est mon fils. Je ne pourrai jamais lui faire du mal. Ouais, et c'est mon frère, je ne pourrai jamais le tuer. Tout comme toi, Odyssée, tu pourras pas Bien le tuer. Bien sûr, je ne le tuerai pas. Alors, c'est sûr qu'il aurait pu être tué, soit par sa femme à lui, soit par la tienne. C'est certainement une femme. Sa femme, par exemple, voulait s'accaparer de son argent, ou bien elle l'a vu avec une autre femme, elle aurait des raisons de le Mais tuer. Mais qu'est-ce que tu racontes, Raphaël? Moi, par exemple, je suis sûr que Chris ne m'aurait pas tué. C'est ce que tu crois, c'est ce que je pensais aussi avant de me marier. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh, c'était une blague, c'est du passé, c'est du passé. Ok, ça suffit, maintenant on cherche les preuves. C'est ça, cherchons. On y va. Et je suis presque sûr que c'est une des filles qui a tué Stas, probablement Maria, parce que c'est sa femme. Odyssée, mais laisse cette chaise, tu ferais mieux de chercher les preuves dans le placard, je vais regarder dans le tiroir, moi. Ouais, allez, tu as raison. Les gars, je vais regarder ici où se trouve la télé et cette table de nuit. Ici, ok, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Mes amis, il est temps de chercher dans cette grande pièce, venez avec moi. Je vais chercher ici. Oh? Les gars, c'est une sorte de chèque. Il est au nom d'Odyssée. Et c'est marqué qu'il a acheté un pistolet très cher, les amis. Et si, ce n'est pas une preuve alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, je suis sur le toit. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de preuves là-haut. Je n'ai aucune idée de qui a tué Stas. Mais c'est sûr que ce n'est pas moi. C'est sûr à 100%. Mais comment c'est possible, Odyssée? T'as trouvé non, quelque chose? Non, je n'ai rien trouvé. Raphaël! Les gars, c'est trouvé. Allez, voir, allez, vas-y. J'ai trouvé, les gars, venez vite voir. Et c'est quoi ça? Lis le démon. Eh, je t'aimais bien et maintenant je te déteste. Tu es mort pour moi. Ça me paraît être très suspect en fait. Maintenant, vous vous rendez bien compte que c'est bien Maria. Je t'aimais, Maria. Ouais, Raphaël, tu as sans doute raison. C'est très typique pour Maria. Les gars, je vous l'ai dit depuis le début. D'abord que c'est une fille et ensuite que c'est Maria, sa femme. Merde. Et descendons, appuyons sur le bouton. Oui. Tiens, les gars, j'ai trouvé ça ici. Je n'ai aucune idée de ce qu'il peut se trouver à l'intérieur. Eh bien, jetez un coup d'œil ensemble. Nous y voilà. Et un pistolet? Si ce n'est pas une preuve, alors qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors, à qui est ce pistolet? Mes amis, cette preuve est suffisante pour appuyer sur le bouton. Allez, les gars, il faut appuyer sur le bouton. Oh, quelqu'un nous a devancé. Bon alors, Maria a donc appuyé sur le bouton pour convoquer la réunion. Qu'est-ce qu'il y a alors? J'ai trouvé un chèque pour un pistolet et il est au nom d'Odyssée. Hein. Oh, qu'est-ce que tu veux dire, Maria? Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Odyssée. Oh, alors le pistolet que j'ai trouvé, il est à Odyssée? Ah, ça, les gars, ce pistolet, c'est en fait un jouet. C'est pas un vrai, vous vous êtes juste trompés. Mais moi, j'ai cru que c'était vrai. C'est très chelou d'avoir un pistolet. Même un pistolet joué, c'est pourquoi je vote pour Odyssée. Oui, Maria a raison. Je vote aussi pour toi, Odyssée. Mais vous êtes complètement fous, alliés. Ne t'inquiète pas, Odyssée. J'ai la meilleure preuve que c'est toi, Maria, qui a tué Stas. Ouais, tu l'as menacé en plus. Alors, ça dit, je t'aimais bien et maintenant, je te déteste. Tu es mort pour moi. Non, les gars, non. Vous vous trompez. Jamais je ne tuerai, je ne ferai mal à Stas. Jamais. Qui
Alors qui a pu écrire ce petit mot? Je ne sais pas. Vous avez décidé de me piéger. Mais je veux rien entendre. Moi, je veux votre mariage. Maria, Maria, c'est sûr que c'est Maria. Mais vous avez tort. Odyssée a donc deux voix contre lui et Maria en a trois. Alors c'est toi qui es éliminé, Maria. C'est comme ça. Non, les gars, non, vous vous trompez. Je suis pas un imposteur. Oh, Maria a disparu. Est-ce que ça veut dire qu'on a enfin gagné au jeu? Maria était bien l'assassin? Non, Maria n'est pas un imposteur, elle n'est pas un assassin. Vous avez fait une erreur. Continuez à chercher les indices et vous trouverez le vrai assassin. Comment est-ce possible? Comment ai-je pu penser cela? J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Et c'est pas grave, Mario, on se trompe parfois, ça arrive. Maintenant, nous devons tâcher de trouver les indices. Allez, allez, c'est allez. C'est dommage, Maria est une fille très gentille. Oui, moi aussi j'ai de la peine pour elle. Continuons à enquêter. Allez. Ok, les gars, on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on se sépare. Je vais aller sur la scène de crime, les vestiaires. D'accord. Et moi, je vais aux toilettes. Et je vais aller dans la salle de jeu, je vais chercher des indices. Ok, commençons à chercher des indices. Oh, mon pote, faut que j'aille aux toilettes pour une grosse commission. Alors, je ferais mieux d'y aller d'abord et pour pouvoir chercher des indices tranquillement, parce que comme ça, après, je serai plus concentré. Oh, les gars, qui est l'assassin selon vous? Écrivez-le dans les commentaires. Lui, je suis dans la salle de jeu et franchement, je sais pas quoi faire ici. Il peut trouver des preuves, mais quel genre de preuves il peut avoir dans une salle de jeu? Qui j'en sais, moi? Bon, je vais essayer, quand même. Stas, je trouverai celui qui t'a tué et je me vengerai pour toi. Et vous, les amis, qui regardez cette vidéo, abonnez-vous en mémoire de Stas, parce qu'une injustice s'est produite et qu'il nous a quittés. Je suis désolé pour ça, c'est vous, les gars, montrez votre amour en vous abonnant. Et je trouverai l'assassin, je vous le promets. Alors, les gars, je suis dans la cuisine. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de preuves ici. En plus, je me méfie toujours d'Odyssée, car s'il a un faux pistolet, il est logique qu'il risque d'avoir un vrai aussi. Alors, je cherche, je continue. Oh, et pourquoi t'es là, toi? Et pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu parles pas? Attends, c'est toi qui l'as tué? Non, s'il te plaît, non, non, oh! Je vais commencer ma recherche par ces meubles. Donc, ici, il n'y a pas. Alors, regardons en bas, pas ici non plus. Regardons aussi en haut, pas ici non plus. Alors, voyons, peut-être dans le four. Il n'y a rien. Oh! Qu'est-ce que c'est? Les gars, ce sont les affaires de Raffario! Et il y a un couteau avec du sang dessus. C'est son étui à lunettes et son téléphone portable. Et voici aussi la preuve. C'est un couteau recouvert de sang. Bon, les gars, je vais laisser tout ça ici et je vais prendre le couteau avec moi et courir pour appuyer sur le bouton. Maintenant que je me suis soulagé, il faut absolument que je me lave les mains. C'est ce qu'il faut faire. Oh! Il y a un petit mot laissé ici. C'est probablement une preuve. Voyons ce qu'il dit. Le plus grand des frères est parti. Maintenant, il est temps d'éliminer papa et les autres. Il vise la famille, donc. Et ça, ça veut dire que celui qui a écrit n'est pas de la famille. Donc, c'est forcément Chris. Je vais aller tout raconter à Demon. Demon, j'ai les preuves. Oh non, non mon pote, c'est juste pas croyable. Tu as été tué toi aussi. Le tueur m'a devancé. Je dois absolument le retrouver. Dimon, écoute ce qui... Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Dimon? Je n'ai rien fait. Tu es le coupable. Non, ce n'est pas ce que tu crois, non. Je l'ai trouvé comme ça. Ah d'accord, je vais aller appuyer sur le bouton, voilà. Mais où vas-tu? J'entends les gars descendre. Je dois appuyer sur le bouton tout de suite. Chris m'a devancé. Oh non. Chris a appuyé sur le bouton. Que s'est-il passé? J'ai trouvé ce couteau avec du sang dessus. C'était à côté des affaires à Raffario. Et où est passé Dimon? Je sais pas comment ce couteau s'est retrouvé là. Mais je sais que c'est Odyssée qui a tué Dimon. Mais non, il était déjà mort quand je suis rentré. Non, je t'ai surpris, penché au-dessus de lui en rentrant dans la salle. Oh, Raffario, mais écoute-moi, je suis pas le coupable. J'ai tout vu, moi. Faut pas mentir, c'est pas la peine. Les gars, écoutez-moi, j'ai trouvé cette preuve. La personne qui a écrit ce mot n'est clairement pas un membre de notre famille. C'est Chris la coupable. Ah, tu essaies de te sauver, et donc je vais voter pour toi. C'est de ta faute. Mais c'est une menace pour notre famille. Je vote pour Chris, moi.
Odyssée, je ne sais pas ce que tu as en tête et je vote pour Raphario parce que ce couteau était parmi ses affaires personnelles. Alors, chacun d'entre vous a une voix, ce qui signifie que la réunion est annulée, voilà. Continuez à chercher des preuves car votre temps va bientôt s'écouler. Je n'arrive pas à y croire, j'ai trouvé un couteau avec du sang dessus et c'est pas de Raphario. Eh ben moi, j'ai vu Odyssée à côté de son corps. Et j'ai trouvé un mot pourtant, et c'est Chris. Cherchez et trouvez l'assassin. Mes amis, voici l'endroit où Stas a été tué. Il doit y avoir ici des preuves que j'ai pas trouvées. Qu'est-ce que c'est? Regardez les gars, c'est du maquillage de femme. Alors, Odyssée avait raison de dire que Chris était la coupable. Oh. Les gars, je viens de retrouver le téléphone de Demon. Je vais lire ses messages maintenant. Peut-être que je trouvais quelque chose de particulier. Et vous les gars, ne faites pas comme ça. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, je le fais pour des raisons d'urgence. Je vais le débloquer maintenant. Oh, qu'est-ce qui est écrit ici? Chris qui agresse Stas? Elle a écrit, juste pour que tu saches, j'en ai marre de Stas, je n'en peux plus, il m'insupporte. Oh, pourquoi je dis ça? Cet homme n'est pas normal. Maintenant vous comprenez que Chris est bien la coupable. Odyssée, Odyssée, je trouvais la preuve que l'assassin est une fille. Quoi, Raphario? Odyssée, là où Stas a été tué, j'ai trouvé ceci avec un maquillage de femme. Ce qui veut dire que si ce n'est pas Maria, alors c'est Chris qui l'a tué. Tu me crois enfin? J'ai trouvé quelque chose aussi. Tu n'as qu'à lire ces messages. C'est là que Chris écrit à quel point elle déteste Stas. Ce n'est pas croyable, c'est donc bien Chris qui est la coupable. Oui, j'en suis sûr. Allons appuyer sur le bouton. Allons appuyer sur le bouton, allez vas-y. Oh les copains, je suis très déçue. Je n'ai toujours pas trouvé qui est le tueur. Et le temps presse. Oh. Les gars, c'est le sac de Stas. Voyons ce qu'il y a dedans. Alors voyons, eh bien alors, des lingettes, ce n'est pas important. Portefeuille, je vois. Oh, un petit mot. Voyons ce qu'il dit. Tu m'as battu dans un match de la FIFA, je trouverai une autre façon pour t'éliminer. Je te détruirai d'une autre manière. Ah, à Stas d'Odyssée. Les gars, ça veut dire qu'Odyssée a menacé Stas, la preuve. C'est donc lui l'assassin. Avec toutes ces preuves, il faut vite appuyer sur le bouton. Allons appuyer sur le bouton, allez vas-y. Content de vous revoir. Vous avez tous les trois appuyé sur le bouton en même temps, c'est comme ça. Vous avez fait juste avant que le temps soit écoulé. C'est donc votre dernière chance. J'ai une preuve. C'est écrit ici qu'Odyssée menace Stas parce qu'il était en colère d'avoir perdu contre lui dans le jeu FIFA. Chris, mais de quoi tu parles? Là, je parlais de son élimination dans une partie de Fortnite. Oui, alors... Chris, écoute-moi, tu ferais mieux de te taire parce que j'ai trouvé la preuve que c'était toi qui avais tué Stas. Cette race de maquillage, c'est à qui? Eh oh, ce n'est pas mon maquillage à moi. Je ne comprends pas non plus ce que tu dis. Mais il est clair que tu n'aimais pas du tout Stas. J'ai lu vos messages privés avec Demon. Eh, hey, tu as mal agi. Il ne faut jamais lire les messages personnels des gens. C'est très très mauvais. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais trouver des preuves. Et j'en ai justement trouvé. Mais ce n'est pas ça. C'est juste qu'on a eu un malentendu, mais on l'a réglé. En plus, tu es méchant parce que tu lis les messages des autres et que tu as écrit des menaces à Stas. Je me contrefiche de ce que tu penses. Mon vote est pour toi. Le mien est pour toi. Et moi, je vote pour toi, Chris. Raphario, je t'ai dit que le maquillage n'est pas le mien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maria est déjà partie et tu es la seule fille parmi nous. Et tu te maquilles quand même. Odyssée a un vote et Chris en a deux, ouais. Chris donc quitte vraiment le jeu maintenant. Moi, je vous dis que je ne suis pas l'imposteur. Ouf. Alors, on a gagné le jeu, qu'est-ce qu'on dit, hein? Malheureusement, non. Comment ça, quoi? C'est moi qui ai gagné le jeu, c'est moi l'assassin. Mais Raphario, comment tu peux être l'assassin? Après tout, toutes les preuves n'étaient pas contre toi. C'est très simple, regarde ce que j'ai fait. Je t'aimais bien, et maintenant, je te déteste. T'es mort pour moi. Et voilà, c'est tout ça. Les gars, je vais maquiller tout ça pour créer de fausses preuves. Regardez. Alors. Mes amis, j'arrive pas à y croire. Et c'est Raphario qui gagne, les gars. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir la deuxième partie, mettez un like, abonnez-vous, cliquez sur la clochette et à plus.